Salut à tous, donc c'est Néomad qui va vous montrer un petit peu comment faire des choses à Kerbal Space Program, puisqu'on m'a posé pas mal de questions, genre comment arriver en orbite autour de Kerbin, ou comment atterrir sur la Moon, ou ce genre de choses. Donc on va lancer le jeu gentiment. Et non, j'ai plus de sauvegarde, donc on va en créer une nouvelle pour l'occasion. On va mettre en drapeau celui-là, il est joli. Allez. Donc nous voilà au Kerbal Space Center. Donc je vous rassure, le vrai jeu est un peu plus joli que ça. Il va être refait pour la version suivante, le Space Center. Donc là on a la Tracking Station qui nous permet de voir exactement tous les vols en cours ou les débris orbitant la planète. Le pad de lancement, évidemment, quand on a une fusée. Le hangar à avion. Comment choisir un autre drapeau et le hangar à fusée pour créer les fusées. Bah, donc c'est ce qu'on va cliquer en premier. Donc, alors déjà là à votre gauche, vous avez toute une série de modules de contrôle. Donc vous en avez quand même pas mal avec. Voilà, mince, bien sûr, j'en ai cliqué un. Donc vous en avez pas mal, c'est des robotiques. Donc ils ont besoin d'électricité pour vivre. Et c'est pratique pour envoyer des petits robots avec des roues ou quelque chose comme ça. Un peu faire des curiosities, quoi. Mais bon, nous on va y aller comme des vrais et on va faire une vraie fusée avec un vrai module. Donc voilà, ça c'est notre module de lancement. Voilà, donc là c'est un module une place, c'est le plus léger, c'est le plus fin, c'est vraiment pour la démonstration. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va essayer de tenter d'aller jusqu'à la Moon. On va voir si ça passe. Avec un peu de chance, on peut au moins y aller en aller simple, mais j'aimerais bien faire un aller-retour. Donc là, j'ajoute un parachute. Je vais ajouter alors la partie, une des parties les plus importantes du jeu, les découpleurs. Que fait le découpleur? Eh bien en fait, ça remplit cette zone. Là, vous voyez, il y a les parachutes et le découpleur. Et en fait, chaque fois que vous appuierez sur espace, ça lancera un nouveau stage. Enfin, un nouvel étage de la fusée. Et donc, on se retrouve avec tout ce qui sera en dessous de ce découpleur sera jarté, en fait. On n'aura plus. Et on aura à la fin que le module et le parachute. Et encore une pression sur espace nous fera déployer le parachute. Et heureusement, si tout va bien, atterrir proprement. Alors, deuxième module assez important, celui-là je vous le montre, mais en fait, voilà, dans la 021 il sera plus là. C'est le Advanced SAS. Qu'est-ce que c'est que le Advanced SAS? Ça permet en fait d'utiliser pas mal d'autres appareils pour guider la fusée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a un moteur avec le Thrust Vectoring Enabled, comme c'est marqué sur l'écran, voilà. En gros, il va un peu tourner à gauche, à droite, enfin, il va un peu pivoter le moteur pour nous permettre de garder la fusée droite, vers un cap, quoi. Il y en a pas mal qui ont son Thrust Vectoring, lui aussi, voilà. Voilà, donc, et ça utilise aussi les petits ailerons, j'en mettrai peut-être après sur la fusée pour la forme. Et ça utilise aussi ce que je vais rajouter à l'instant, du monopropellant pour le RCS. Le RCS, c'est ces petites choses là, vous voyez. C'est en fait des propulseurs omnidirectionnels. Ça permet pas de pousser la fusée, mais ça permet de l'orienter dans l'espace. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'air, les ailerons ne marchent pas, les moteurs, on ne veut pas forcément les allumer. Mais là, au moins, ça permet de faire des petites déviations, des petites rotations, des petites translations aussi, très utiles pour le docking. Donc là, je voudrais en mettre 4. Donc ce que je vais faire pour en mettre 4, c'est de activer ceci, le mode symétrie. Voilà, 4. Après, ça marche sur tout le vaisseau, donc vous n'êtes pas obligé de les coller sur le réservoir. Donc ce que je vais faire, je vais les coller. Ah ouais, mais après, il faut pas que ça embête la sortie du pilote. Donc je vais les coller. Ben, je vais en coller 6 en fait. Voilà, ça bouffera un peu plus vite, mais au moins je suis sûr d'avoir du contrôle. En théorie, là voilà, il faudrait les coller sur le centre de masse. Mais comme la fusée n'est pas encore finie, évidemment, le centre de masse va être déplacé. Voilà, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais ajouter un fuel tank, tout ce qu'il y a de plus basique. Et vu que c'est une petite fusée, on va juste ajouter un petit moteur. Voilà, donc ça sera notre lander, notre fusée, quoi. Donc on va l'appeler Lunar Lander. Voilà.
fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui manque? Eh bien, bah là, déjà, on a un moteur, un découpleur, un parachute. Oui, je vais peut-être redescendre ça, du coup. Ah, oui. Voilà, si jamais il y a aussi l'angle snap à côté, ça permet un peu de les orienter comme on sent. Je préfère le faire à l'angle, ne fût-ce que pour être sûr. Voilà, sur le centre de gravité, on peut y enlever l'affichage. Et bah tiens, vu que c'est un lander, on va quand même ajouter. Ah bah voilà. Le problème, c'est que ça rentre en collision. Donc on va les monter, et puis voilà. Et voilà, on ajoute des petites jambes, et on va ajouter une échelle aussi. Voilà. Comme ça, notre brave pilote pourra sortir. Si tout va bien, il va sortir sans se frapper contre une... Ouais, je crois que je vais remettre 4 quand même. Ça sera peut-être plus simple. Et donc ça me laisse un peu plus de chance. Voilà. Comme ça, on sait que notre pilote pourra sortir sans se cogner contre les pieds. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Et ben, on va aller sur le pad de lancement. Ne fût-ce que pour l'essayer. Ok, donc là, le pad de lancement. Donc c'était celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc, notre fusée. Tous les éléments sont cliquables. Par exemple, si vous voyez, sur les jambes, ça veut dire on peut les baisser. Sur le réservoir, ça nous dit le fuel. Sur le moteur, ça nous dit... bah, bien sûr, la boule fait chier, voilà. On active le moteur ou on bloque la gimbal, donc ce qui est utilisé par le SAS. Le SAS n'a rien. Ça, on peut le désactiver. Ça, on peut le découpler. Ça, on peut le renommer. On va le renommer, tiens. Pour le coup, il va pas s'appeler Mineur Lander, il va s'appeler... c'était Freedom 7, le vol d'Alan Shepard. Ben, on va l'appeler, je sais pas, moi... Bonhomme 7, voilà. Et le parachute, on peut le déployer. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cet écran? On a aussi le Time Warp. Donc là, ça nous permet, par exemple, d'accélérer le temps. Donc là, je ne sais pas si on va avoir quelque chose de flagrant qui nous montre que le temps se passe très vite. Si, voilà, là, on voit que le jour tombe assez vite et on voit la lune et le soleil. Voilà, la moon, le soleil. Là, on a donc les staging comme on avait avant. Là, on a nos paramètres qui nous permettent de dire si on est en train d'essayer de tourner le vaisseau. Donc là, on le voit un peu gigoter. Le pencher en avant, en arrière ou gauche-droite. Là, on a la map des ressources qui est bien sûr rafraîchie en temps réel. Là, on a notre altimètre, donc on a 72 mètres puisque la mer est juste à côté. Voilà, on la voit au fond. On a la pression atmosphérique, donc en gros, c'est là que. Bah, ça va ralentir le vaisseau si vous allez trop vite. La fusée va bien sûr avoir des frottements de l'air. Donc là, on peut pas aller trop vite encore. Là, on peut y aller assez vite. Là, c'est presque bon. Et là, il n'y a aucun frottement. La vitesse verticale. Donc on est à zéro, puisqu'on n'a pas encore décollé. Les lumières. Le train d'atterrissage. Alors, les lumières, c'est L. J'ai pas mis de lumière. Faudra peut-être que j'en rajoute après. Les freins, c'est plus si on a un avion ou un véhicule. Le train d'atterrissage. Alors, ouais, c'est un bug, ça. Il est toujours allumé au décollage. Mais si j'appuie G... Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, c'était pas ce que j'attendais de faire. Bon, on va redémarrer le vol. Et je saurai maintenant qu'il faut pas que je déclenche ce train d'atterrissage sur le tarmac. Apparemment, ils se déploient pas tous pareil. Avec M, on a la vue de la carte. Donc là, on voit bien notre planète, la Lune au fond, il y a d'autres planètes. Je me permets quand même de vous faire un petit plan du système solaire. Donc là, on a la Lune, la petite Lune Minmus. Là, on a Yves, qui est l'équivalent de Vénus, mais en violet. Mo, l'équivalent de Mercure, presque impossible à atteindre. Duna, l'équivalent de Mars, très facile. Pardon, excusez-moi. Dress, c'est comme Cérès, c'est un peu un gros astéroïde. Joule, c'est Jupiter, il y a 4 lunes très diverses et variées autour. Donc là déjà on est très très loin dans le système solaire.
Et enfin, Ilulu, la planète la plus éloignée pour le moment, qui est une planète de glace évidemment, et qui rentre en résonance avec Jupiter en orbite. Voilà. Donc nous déjà, avant ça, on va essayer d'arriver là. Voilà. Ça relativise un peu tout, hein. Donc nous revoilà sur notre vaisseau. Voilà. Donc qu'est-ce que je vous ai pas encore montré? Ah oui, la nav ball. La nav ball très importante. Donc là vous avez le HDG qui représente un peu l'axe. Vous voyez là il y a 90, 270, nord, 180. C'est en gros, ça nous permet de dire que là, bah, par exemple 90 c'est pour aller à l'est. Donc l'est est là-bas. Non, attendez. Le soleil. Il est remonté? Bon. C'est pas grave. Donc l'est, le sud. Là, c'est la poignée des gaz, donc ça augmente avec majuscule, ça se réduit avec contrôle. Après, on expliquera les différents symboles qui s'affichent sur la nav ball. Là, c'est notre vitesse sur la surface, actuellement on est à l'arrêt. Et enfin, en dernier, notre pilote, Jebediah Kerman, donc le pilote par excellence. Si on appuie sur Évier, on peut voir son joli cockpit. On peut aussi appuyer sur C, ce qui nous permet aussi de sortir de la vue. Donc là voilà, on a tous les instruments. Petite chose que tout le monde ne sait pas, si on double-clique sur la fenêtre, ça nous affiche la fenêtre. Ce qui est toujours agréable. Hein. Donc on sort avec C. Et si je fais EVA, voilà. On peut aussi sortir notre petit Kerbal gentiment. Et il est content, même s'il voudrait bien rentrer dans sa fusée. Ce qu'on va lui faire faire. Donc on va lancer la fusée là, sans attendre. Donc je fais majuscule pour mettre les gaz à fond. Je fais T pour activer le SAS. Le RCS s'est activé avec R, mais là actuellement ça sert à rien quand on est au décollage. Et on est parti avec espace dans 3, 2, 1, go! Ouais, c'est une petite fusée, c'est censé partir de la Moon. Hein, donc... Ouais, c'est un peu lent. C'est un peu lent. Bon, on va pas s'éterniser, de toute façon on n'arrivera pas en orbite et on arrivera encore moins à décoller. Donc là on voit qu'on monte gentiment. C'est déjà ça. Bon, on va arrêter les frais. Donc je coupe les gaz. Alors soit je fais contrôle, soit là ce que je vais faire c'est X, c'est carrément zéro gaz. Voilà. Donc là on voit que notre vitesse verticale descend à toute allure et on retombe. Donc on fait espace pour larguer notre bas de vaisseau. Qui va plus vite et on refait espace pour déclencher notre parachute et on ne devrait pas tarder. Ah voilà. Et Jeb s'en fout, il est content, il a volé dans l'espace. Voilà, on va arrêter le vol et on va reconstruire une fusée qui peut au moins nous emmener en orbite. Donc ce que je vais faire pour aller en orbite, c'est... Bon, alors déjà, je vais ajouter un découpleur là-dessus. Ah oui, ça y est, je sais ce que je voulais faire. Dans la chance qu'on arrive à la Moon, je vais ajouter les petits trucs comme ça. Donc là, vous voyez, c'est là qu'on a les trucs un peu spéciaux, genre les roues. Donc ça, c'est des roues motorisées, il faut l'électricité, les échelles, les parachutes, les jambes pour l'atterrissage. En fait, ces jambes sont pas si mal, je crois que je vais peut-être tenter ça. Ouais, tiens, on va tenter les nouvelles jambes. J'ai pas encore testé. Voilà. Alors, c'est des toutes petites, hein, mais. On s'en fout. Voilà, si ça tient, c'est plus joli, c'est plus fin. C'est ce qu'il faut. Et donc, surtout, ce que je veux ajouter, moi, c'est un arrêt de lumière. Voilà. Donc là, il y a des lampes. Par contre, le module génère sa propre électricité, mais pas assez pour que ça soit viable. Donc, on va ajouter. Des piles qui s'appellent astucieusement Batman. Tout, il est la vengeance et il est la nuit. Et maintenant, on va faire notre deuxième étage parce que bon, faut amener tout ça en orbite et même sur la Moon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un fuel tank comme ça, un gros, et on va ajouter un gros moteur, mais avec vectoriel, comme ça, on est sûr de pouvoir y aller. Ensuite, en dessous, ouais, alors pour en dessous, si jamais vous cliquez sur le module de commande, vous pouvez le remonter en scrollant. Voilà, ça permet de laisser de la place. Alors, ce qu'on va faire, c'est
quoi. Ouais, non, mais si j'ajoute un truc en dessous... Ouais, non, je vais pas ajouter un truc en dessous, en fait. Voilà. Alors, on se remet souvent en question ces designs hein, dans ce jeu. Alors, ce que je vais faire, c'est... Ouais, tiens, ça y est, je sais ce que je vais faire. Je vais vous montrer le design en asperge. Donc, qu'est-ce que c'est que le design en asperge? Eh ben, c'est... je vous explique une fois que je l'ai monté. Donc là, j'ai ajouté 3 découpleurs pour le moment. Donc c'est des découpleurs latéraux. Donc ça permet en fait, la fusée va faire comme ça dès qu'on l'enlève. On va essayer de les mettre à peu près à la même altitude que l'autre. Est-ce que je rajoute du fuel? Ouais, je vais ajouter un peu de fuel au-dessus. Moi, je crois que je vais même rajouter du fuel sur ça aussi. J'ai pas envie de tomber à court, surtout si je veux me tenter la moon. Voilà, c'est un peu gros, mais ça ira très bien, voilà. Et je vais aussi l'ajouter, bien sûr, les mêmes, là. Donc, qu'est-ce que le design en asperge? Eh bien, en fait, ça tient d'une idée assez simple. Le nom d'asperge vient du fait... Attendez, je rajoute les moteurs. Voilà, ça sera plus simple, si je peux expliquer avec les moteurs. Donc, en fait, le nom d'asperge, c'est qu'actuellement, ouais, si je veux monter ça, là, comme il me le montre actuellement, je lance les 3 moteurs autour... Je vide tous ces réservoirs, puis je les éjecte et je continue avec le centre qui est plein. Et c'est pas mal, mais le problème c'est que des fois, bah, les 3 moteurs, par exemple, si on monte tout ça en fuel plus le truc d'atterrissage, bah ça sera pas suffisant. Voilà, parce qu'il faudrait le 4e moteur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute le 4e moteur là. Mais vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, tout est vide et ça sert à rien d'avoir mis des découpleurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute ceci. Donc ça, c'est la fuel line. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est qu'on clique d'un tank à l'autre. C'est bien sûr mis en symétrie, voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est que ceux-là vont se vider légèrement plus vite. Eux, non. Mais les 4 moteurs seront actifs. Et après, on sépare les bidons vides, qui ne nous servent à rien. C'est du poids à monter, donc c'est une perte de temps. Mais en revanche, on aura nos... Voilà, par contre, après, on se retrouve avec nos réservoirs pleins et tout va bien. Et on est beaucoup plus haut et c'est vraiment un des designs qui marche le mieux dans ce jeu. Le design en asperge. Et d'ailleurs, je vais même pousser le vis. Je vais... Voilà, j'ai fait Alt hein, au cas où sur le découpleur pour recopier en fait toute la pile. Donc si je sors, voilà, j'ai exactement la même chose. Y compris la fuel line, mais celle-là, je vais la déplacer. Je vais la mettre sur cela, comme ça. Sinon, ça sert à rien en fait. On aurait vidé les 6 colonnes en même temps, c'est... C'est sympa, mais ça fait pas grand-chose d'utile. Tandis que là, on vide d'abord ça, avec les 7 moteurs qui tournent en même temps. Puis on les sépare, puis on a encore 4 tours d'essence qui sont encore pleines, qui continuent. Puis on les sépare, puis il y a encore la centrale qui est pleine et qui continue. Donc avec ça, là, je pense qu'on a quand même assez de fuel pour arriver définitivement en orbite, et avec un peu de chance... On peut faire un peu la moon. Alors oui, ça j'ai oublié d'expliquer. Ça c'est les struts. Les struts c'est bien parce que vous voyez là par exemple, le découpleur est attaché en bas. Donc ça c'est le genre de truc qui va aussi à mort se décrocher et votre fusée va exploser comme il faudrait pas qu'elle explose. En gros là ça serait comme la fusée qui est partie de Russie récemment. Donc ce qu'on fait c'est qu'on solidifie l'ensemble avec ces struts qui en fait s'attachent d'un point à l'autre sur la fusée. Et ça fait que là, maintenant, ils se tiennent tous les uns les autres. Et d'ailleurs, je vais aussi pousser le vis, en ajouter un à l'intérieur, qui va s'accrocher au centre. Et comme c'est que sur 3, je le fais sur 2 points. Voilà, comme ça, là, au moins, avec le découpleur en plus, ça retient le truc. Est-ce que j'attache ça sur le centre plus haut? Oui, allez. Voilà. Bon, bah ça s'est accroché sur les lampes, mais on s'en fout, c'est accroché. Et on en refait 3, voilà. Et ça marche super bien. Donc là, on a nos 7 moteurs en ligne, puis après, on a... Ah voilà, bah voilà, ça c'est le souci. Il m'a mis tous les découpleurs en même temps, donc là on aurait envoyé des fusées en feu, et ça aurait été le bordel. Donc ce que je fais, c'est que là par exemple, celui-là est le premier que je veux décrocher. Je tiens le découpleur et je vois qu'il y a la petite icône de 3 qui s'est mise en blanc à droite. Voilà. Ça veut dire que c'est ceux-là. Pareil, si je les sélectionne, ils passent en vert quand je les sur la fusée.
Donc voilà, là on lâche ça, puis on lâche le bout en haut. Puis on lance la fusée là, puis voilà. Je crois qu'on est pas mal, c'est pas tout à fait droit, alors j'ai pas trop envie de la laisser au sol, parce que sinon son propre poids va la faire s'écrouler. Donc j'ajoute ça, ça c'est les grues de lancement en fait. On peut en ajouter autant qu'on veut, il n'y a pas de souci. Voilà. Là j'ai ajouté 6 grues de lancement, elles se sont bien mises au staging. En gros ça va me tenir ma fusée, et quand je ferai espace, ça lâchera et ça fera partir la fusée. Et ben... ah oui, ça c'est les bouts de la fusée précédente. Donc on les efface, et on est reparti. Donc nous voilà, sur le pad de lancement, la fusée tient bien droite, elle ne s'écroule pas. Je vais mettre les gaz aux 2/3 pour commencer. Et nous voilà partis. Ça fait un peu de bruit, hein. Je vais un peu baisser le son. Voilà. Donc là, notre fusée est partie. Si je fais V, voilà, on peut faire la vue orbitale. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Voilà. Bon, on passe en vue normale. Mince, je me disais que j'oubliais un truc, j'ai pas mis le sas. Bon, c'est pas grave, on part un peu sur le 90. Voilà. Et donc pour l'instant, voilà, vous voyez là, il y a ce réservoir qui est en train de se vider, il a déjà vidé un des deux. Là, lui, il est toujours plein, et si j'arrive à cliquer sur le central, il est toujours plein. J'aime être très content. Donc là, on monte. Alors, on va un petit peu accélérer, voilà, parce que le but, c'est quand même de gagner de la vitesse assez vite. Disons que 150 à 2000 mètres, c'est pas mal, puis après, vous pouvez quand même monter à 200, 250. Voilà, alors là ça y est, on a vidé ces bouts là, vous voyez que notre vitesse chute. C'était risqué, ça a failli nous retomber dessus. J'ai peut-être pas confiance pour la suite. Donc là voilà, on a séparé, et comme vous voyez, là on est en train de vider ceux-là, mais ils sont tous pleins. Donc là on arrive gentiment à 10 000 mètres et 2000 mètres par seconde, ce qui est assez idéal, 200 mètres par seconde, excusez-moi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence notre gravity turn. Le gravity turn, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est que la Kerbin tourne dans l'axe, enfin, tourne dans un sens. Elle va de l'est, enfin, c'est-à-dire le soleil, voilà, la moon nous représente, c'est-à-dire elle va dans cette direction, et se retrouve de l'autre côté. Donc nous, ce qu'on veut faire, ça veut dire que le Kerbin tourne dans cette direction, vers l'horizon. Et c'est une vitesse qu'on a par défaut quand on est au sol. Et donc c'est un petit bonus quand on se retrouve à faire une orbite. C'est-à-dire si vous pouvez la faire dans l'autre sens, bah, vous vous retrouvez à négliger cette vitesse. C'est pour ça que toutes les fusées envoyées dans les vrais programmes spatiaux sont envoyées de cette façon. Donc là on est en train de gentiment de monter. Vous voyez qu'on met les gaz, que tout va bien. On est toujours à HDG 90 pour dire justement qu'on va à l'est. La map view nous confirme que on va à l'est. Voilà. Donc là, c'est notre trajectoire. La peau abside, c'est l'altitude max pour le moment. Donc on est déjà à 67 000. On est bien monté. Voilà. Donc là, maintenant, on est à 35 000 mètres. On est en orbite. Ce qu'on fait, c'est qu'on ralentit un peu les moteurs. On descend l'angle à 20-15 degrés. Oui, je sais que ça, il faudrait que je découple, mais là, je suis en train encore de faire ma manœuvre. Voilà, je suis à 20 degrés. J'augmente un peu et j'enlève les réservoirs vides qui ne me servent à rien. C'est passé. Des fois, vous voyez, ça se replie un peu. Il faut d'habitude mettre des petits boosters sur les réservoirs pour qu'ils s'évacuent proprement. Et là, on est déjà, oula, on est déjà bien trop haut. Bah, on va faire une orbite à 150 000. D'habitude, je l'ai fait à 120 000, mais voilà. Je réduis un peu les gaz, 149 000, 150 000, voilà. Donc je vais un peu remonter le son, parce que de toute façon là on est plutôt relax.
Donc on est à 150 000. Le problème, c'est que vous voyez, actuellement, on n'est pas assez. C'est-à-dire, elle est bien haute, cette courbe, mais elle n'est pas assez plate, parce que d'habitude, ça doit faire justement un arc de cercle qui après devient le cercle complet. Et pour les orbites, alors ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, selon l'altitude où on est, il faut en fait une vitesse assez importante droite, pour qu'une fois la force gravitationnelle de Kirby nous attrape, en gros, ça nous envoie en arc, on se retrouve un peu en orbite exactement, c'est le principe général de l'orbite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter un nœud de manœuvre. Donc là, on clique sur la peau apside, puisque c'est le moment où la vitesse verticale est à zéro. Donc c'est le meilleur moment pour ajouter de la vitesse horizontale, et nous, c'est ce qu'on veut faire. Voilà, et on a cette chose. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc pour planifier les manœuvres futures. Donc là, c'est pour les manœuvres normales et antinormales. Donc en gros, c'est les pôles bleu et orange de la navball. C'est un peu pour en fait bouger votre trajectoire. En gros, c'est pour la décaler vers la droite ou vers la gauche. Voilà. Ça, c'est nord-sud. C'est pour l'altitude. En gros, ça permet de changer l'angle. Donc, si par exemple, vous vouliez la passer dans un angle à 45 degrés, vous devriez monter vers le nord. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est prograde et rétrograde. Rétrograde et prograde, pardon. Donc, celui avec la croix rétrograde, celui avec le rond prograde. Et on veut augmenter notre vitesse. Et là, on voit la trajectoire jaune qui s'étend, qui devient un cercle. Et on voit qu'on arrive à une apoapside, à une périapside, donc c'est l'endroit le plus bas de la courbe, l'apoapside étant évidemment le plus haut. 220 000, 130 000, ah voilà. Alors le but, c'est d'essayer d'avoir à peu près les deux mêmes, 150 000, 150 000, voilà, très bien. Donc, maintenant que j'ai fait ma trajectoire, ce qui m'ajoute là, c'est, vous voyez, j'ai un temps avant le prochain burn, j'ai une vitesse, enfin c'est un delta V, ça veut dire c'est la différence d'accélération entre ce que je suis actuellement et ce que je veux. Et j'ai un marqueur bleu sur la boule que je suis en train de rejoindre là, qui en fait est l'endroit où ma fusée doit pointer quand je dois faire mon burn. Alors, vous remarquez qu'il y a un truc qui est parlé qui s'appelle l'estimation du temps de burn, mais qui est encore vide. C'est parce qu'en fait, il ne sait pas combien il me faut. Donc ce que j'aime bien, c'est faire un premier burn, voilà, 50 secondes. Et ce qui est conseillé, c'est d'essayer de faire moitié-moitié avant et après, en fait. Donc là, par exemple, si on démarre à 25 secondes, ça sera parfait. C'est ce qu'on va faire. Donc là, on voit que notre fusée est en train de brûler à l'horizontale ou presque. Vous voyez, elle est presque sur la ligne d'horizon. La vitesse descend bien. On voit que notre trajectoire s'allonge. Devient de plus en plus un arc de cercle. La vitesse descend encore. Voilà, là on est à la moitié du burn. Essayez un peu de corriger. Voilà. On est à 200 mètres. Alors là je baisse un peu les gaz. Le but c'est vraiment de pas dépasser parce que sinon vous continuez à faire un truc encore plus gros. Voilà, 90, 75, 65. 43, 30, 20, 10, toc. Voilà, avec 3 mètres par seconde de décalage, je peux enlever ma manœuvre et on voit que je vais entre 149 000 et 156 000, ce qui est plutôt raisonnable pour une orbite. On a aussi les informations du vaisseau, donc là par exemple on voit que sur mon vaisseau j'ai encore 29 parties, enfin 29 pièces, pour un total de 11 tonnes. On est en orbite. On est parti depuis 8 minutes. Et il nous donne notre altitude et notre vélocité. Voilà. Et notre pilote est Jebediah, qui est aussi con que courageux. Et donc c'est pour ça qu'il est le favori de tout le monde. C'est parce que voilà, il sourit tout le temps. Et tiens d'ailleurs. Ah bah, j'ai laissé les lumières allumées. Ah non. Je vais allumer les lumières. Voilà, regardez. C'est pas beau ça? Ah, c'est un peu plus beau si on était côté sombre de. Bon, je vais les éteindre. Hop. Donc on a. Voilà. Alors là, c'est presque radical. On a encore un réservoir plein. Donc on est large pour aller vers la Moon. Et je pense qu'on va la tenter direct.
Juste pour se marrer, GB Daya a envie de faire une petite sortie dans l'espace. Voilà. Donc le voilà sorti. Donc les touches sont expliquées, hein. Et si on fait espace, il sort. Et si on appuie sur R, il a un petit jetpack. Tout petit, hein, ça marche pas pour Carbine. Voilà. Il est très content de sortir de sa capsule en tout cas. Et donc avec les flèches, on bouge un peu dans tous les sens qu'on veut. Contrôler majuscule, ça sert pour au bas en fait. Voilà. Donc je vais essayer un peu de le freiner. Et voilà. Bon. Après, on n'est pas là pour rigoler. On a quand même un astre à conquérir. Donc Jeb, tu vas être gentil, tu vas retourner à ta capsule. Voilà. Et on va planifier la prochaine manœuvre. Donc pour planifier la manœuvre, c'est très simple. Pour aller à la Lune, ce que je trouve assez efficace à faire, c'est qu'en fait, voilà, vous faites une vue du dessus de Kerbin. Vous avez la Lune à droite. Et en gros, vous allez la rejoindre là. Et donc, pour la rejoindre là, vous devez faire une accélération en dessous, en fait. On peut créer une ellipse. C'est ce qu'on appelle une orbite. Enfin, un transfert elliptique. Donc là, on accélère, vous voyez. Attends, je me rapproche un peu. Voilà. Et là, voilà. Ça y est. Vous voyez. Là, on rencontre la Moon. On la rencontre, ben on la rencontre de plein fouet en fait. Je vais peut-être essayer. Ça, c'est pas mal. 78. En plus, j'ai assez de fuel. Ça va être en fait de me mettre en orbite autour de la Moon et ensuite de descendre. Pour bien montrer les transferts. Parce qu'une fois que vous connaissez ça, bah, vous connaissez un peu tout. Alors là, vous voyez, par exemple, j'essaie de bouger ma fusée, mais elle est tellement gros. Alors, ça se voit de chez Ced, on va dire. Mais bref. Par contre, là, vous voyez, là, je la bouge, mais le pauvre petit module, il a du mal pour contrecarrer l'inertie complète du bousin. Donc, c'est là que le RCS est utile, c'est que j'appuie RCS. Et là, vous voyez, ça fait des petits jets blancs en haut. Et en peaufinant. Voilà. Il me reste 27 minutes, je vais pas lancer même pas le burn d'essai tout de suite. Il y a combien? 804. C'est à peu près similaire à ce qu'on avait avant, et avant il m'avait fallu 50 secondes. Donc je pense que à une minute je teste. 4, 3, 2, 1. Voilà. Regardez, on la voit au fond. On va y aller. oui, pour Time Warp. Ah bah, ouais, je vais aller un peu vite. Voilà. Bon, 43 secondes. Parfait. Et donc, on accélère. Et sur la carte, on voit bien, on allonge notre apoapside. Là, on est gentiment en train d'accélérer. Le but de ce réservoir, c'est que de toute façon, on va pas l'utiliser pour atterrir, vu que les jambes sont là-haut. Donc, s'il nous sert le plus possible pour tous les transferts, pour toutes les mises en orbite et tout ça, le mieux c'est. Lui, il finira sûrement sur la Moon. Mais en explosion. 50, 40, 30, 20, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. On ne doit pas être loin. On est à. Ouais, alors c'est là que les maneuver nodes sont un peu chiants. Et ben, on est pile sur la Lune. C'est pas ça. Je crois qu'on va. Ouais. Bon, est-ce qu'on tente directement un amunissage? Je vais tenter un coup de RCS quand même. C'est pas que je veux pas aller directement sur la Moon, mais j'aimerais bien atterrir côté clair. Oh, oh puis non, tiens. Voilà. Je fais F5 quand même, voilà, un petit quick save. Parce qu'on sait jamais. Allez, on time warp. Et nous voilà partis de Kerbin pour aller vers
Vert. Vert, je la vois pas. Non, c'est pas ça, ça c'est une galaxie. Ah bah là, voilà. Voilà. Donc là, on arrive gentiment vers la Moon. Carbine commence déjà à fortement s'éloigner. Donc là, on est quand même à 11 000 km, hein, ce qui est très petit pour de... Ah voilà, alors là, vous voyez, l'altitude a soudainement changé, c'est qu'en fait, c'est très simple. On atterrit, en fait, on arrive dans le centre, la sphère d'influence de la Moon. C'est-à-dire qu'en fait, la gravité de Kerbin ne nous influe plus, maintenant, il n'y a plus que la Moon. C'est une simplification parce que bah, c'est compliqué de faire des simulations physiques réalistes. Et voilà, donc en fait, c'est juste que maintenant, il n'y a plus que la Moon qui nous intéresse. Ce qui était déjà un peu le plan. Donc là, on voit, voilà ma trajectoire sur la Moon, c'est qu'en fait, eh ben, je vais arriver côté clair. C'est pas mal ça. Je vais quand même essayer, je pense, d'attendre un peu. Alors donc là, je time warp, hein, bien sûr, depuis la map view. Voilà. Je voudrais quand même essayer d'arriver côté clair et surtout côté, on peut voir Kerbin à l'horizon. Donc là, je vais enlever toute ma vitesse horizontale pour qu'on tombe comme des pierres. En gros. Hein. Je mets un peu de RCS pour m'orienter. Alors oui, évidemment, on pouvait faire des manœuvres pour vous remettre en orbite autour de la Moon, hein, rien ne l'en empêche. Donc pour enlever ma vitesse horizontale, là ce qu'on voit, c'est que j'ai le prograde qui est sur 270 exactement, en gros. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il arrive là. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je pousse pour qu'en fait, j'annule cette vitesse horizontale. Puisqu'en fait, ça, c'est un vecteur qui correspond par exemple à ça et ça. Normal, puisque là, on est attiré, enfin, on tombe vers la Moon. Et là, c'est qu'on est en train de partir en biais. Donc, mon but, c'est de le remettre au centre. Le plus possible, en tout cas. Voilà. Et donc, là, maintenant, on va tomber comme une pierre, tout droit. Et notre trajectoire va être beaucoup plus simple, parce que maintenant j'ai plus à corriger gauche, droite, que sais-je. J'ai juste à décélérer quand on s'en approche. Voilà, c'est verrouillé. On fait encore un petit quick save. Et on time warp pour descendre. Donc là on voit que notre vitesse augmente. 300, 400. On est gentiment en train de s'approcher. Là, on a 120 000, 100 000. Voilà, donc là, on est quand même à 80 000 mètres de la surface de la Lune. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir un bon coup. Là, rien de plus simple quand on est en descente verticale. On accélère dans l'autre sens. On va dire qu'on va descendre. Faut pas descendre trop bas parce que de toute façon vous allez réaccélérer à cause de la gravitation. Voilà, un petit 250. Et là je vois que ça dévie un chouïa. Je vais essayer de la recentrer le plus possible. Voilà. Comme ça, 164. Oula, j'ai plus beaucoup de fuel. Je vais voir encore ce que j'ai. Ah ouais, j'ai un dernier burn. Par contre, vu qu'il fait assez sombre, je vais remettre les lumières. De toute façon, l'électricité. Vous voyez, voilà. Ça produit l'électricité. Non, excusez-moi, ça n'en produit pas. Ça, juste, ça la perd. Et les piles aussi sont consommées. Donc, on va éviter de couper toutes les piles. Donc, on est à 60 km. Ah, c'est toujours tendu un amunissage. Hein. Donc là, 20 mètres. Je crois que j'avais coupé les lumières. Merci. Voilà, alors là, 20 km, ça va être le baroud d'honneur pour les moteurs. J'accélère à fond.
Et ben voilà, ça y est. Donc on découple notre étage. On active notre autre moteur, le petit. Pardon, voilà. Et on appuie G pour déployer le train d'atterrissage. Donc là, le but, c'est de faire un burn assez calme, quoi, parce que ça sert à rien de ralentir pour après re-ralentir. Voilà. Donc là, déjà, on descend, on est à 170 mètres par seconde. Elles sont peut-être un peu courtes, ces jambes d'atterrissage. Tu peux voir. Je crois qu'on va devoir se poser sur le moteur. C'est pas grave. Ça se fait. Au passage, vous voyez la carabine au fond, le soleil. Bon. Voilà, j'ai fait une bonne décélération. Remarquerez que maintenant le cadran est repassé en surface, ça veut dire qu'on est vraiment proche de la surface. Je ne vais pas vous la faire en vue interne, même s'il y a le radar de précision, parce que ça va être un peu complexe. Voilà, on a 70 mètres par seconde. Vu le moteur qu'on a, on peut se permettre de mettre un dernier coup de frein avant de tomber. Donc, voilà la Moon. Là, on est quand même à 7000 mètres, hein. C'est bas. L'altitude générale sur la Moon, c'est entre 1000 et 2300 mètres. Ce qui est pas mal, c'est... Bah là, voilà, là, on l'a plus. Mais en gros, si on avait lâché notre dernier notre dernier tank vide, là, ça nous aurait donné une indication de la distance, puisqu'en gros, on voit la distance avec les autres vaisseaux. Donc là, on est en train de descendre. On commence à voir les petits rochers. Voilà. Je vais quand même mettre les lumières, parce que ça sert à rien d'arriver si on n'est pas, si on n'arrive pas avec classe. Plus, les lumières vous donnent une bonne estimation de la distance, puisque c'est ce qu'on va voir à la fin. En gros, ça va faire des beaux cercles lumineux sur le sol. Comme ça, vous êtes sûr. Alors là, par contre, on est très près. On descend à 20 mètres par seconde. Ah, c'est très joli comme vue, là. Je suis assez content. Alors, le problème, c'est que là, si j'ai bien calculé, j'arrive sur le moteur. Voilà, alors là, on ralentit, on baisse les gaz progressivement. On est à 6 mètres par seconde. Un peu de mouvement horizontal. Voilà. On essaye de l'amenuiser le plus possible. On est très proche du sol. On est un peu trop lent. Voilà, on voit notre cercle de lumière, on voit notre ombre. Est-ce que ça va le faire? Oui. Ouh. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. On va dire que c'est bon. Et ben voilà, ça y est. Jeb est très content et c'est normal. Il est arrivé sur la Moon avec un véhicule super mal designé qui a les jambes qui flottent en l'air. C'est pas grave. Donc, par contre, ce que je vais faire, et on a une superbe vue. Ce que je vais faire... J'ai pas oublié l'échelle quand même. Ah non, voilà, elles sont là. J'étends les échelles, évidemment. Les échelles n'impactent pas le sol, c'est-à-dire celle-là, elle va pas me lever mon vaisseau toute seule. Voilà. Et on va... Bah, on va sortir Jeb, hein. Parce qu'il va faire, il va faire son Neil Armstrong. Et voilà, il descend. Ouais, je pense qu'on peut peut-être même faire le retour. Hein. Et espace pour lâcher l'échelle. Et voilà, Jeb est le premier Kerbal à fouler le sol de la Moon. Et il le montre. Hein. Il est quand même joie. Voilà. Ah, c'est pas beau ça, hein? Ah, vous êtes content d'avoir acheté le jeu. Ah oui, et donc maintenant qu'on l'a fait ça, eh ben Jeb, il peut planter le drapeau. Voilà. Et on peut le nommer, bah. Premier mounissage. C'était quoi déjà, nous sommes venus?
Nous sommes venus ici pour le fromage et il y en a pas. Déception. Voilà. Donc si jamais ouais, vous pouvez cliquer le drapeau et bien sûr relire la plaque. Voilà. Et pour remettre le drapeau, c'est Jeb et il peut le rempaqueter et puis en remettre un plus tard. Bon alors après voilà, le seul souci c'est qu'à part faire des petits trucs en jetpack, puis il y a 2-3 secrets sur la moon, donc je vais pas vous les montrer tous, hein, surtout que il y a de la distance. Et se dire que c'est joli et puis mettre des drapeaux. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire sur la moon. Ça fait. Aïe, oula, oula. Bon. Au moins il n'est pas mort. Voilà. Allez, on va rentrer parce que Jeb n'est pas foutu de tenir debout. Oui! Un petit espace. Voilà. Donc espace pour sauter et R pour le jetpack. Bah remets-toi devant l'échelle. Voilà. Bien sûr, pour grimper l'échelle, c'est Z sur le clavier AZERTY et S pour descendre. Voilà. On remonte à bord. Donc on a notre drapeau, on a notre fusée, on va couper les lumières avant que ça bouffe toute l'électricité. Et on est reparti. Alors pour repartir, bah c'est la même chose que sur carbine en fait. C'est assez simple. Mais il y a beaucoup moins de gravité, donc on a plus de chances d'y arriver rapidement. Donc là, on est quasi à la verticale, et ben on décolle. Voilà. Ah, vous voyez, là, on augmente très très vite notre vitesse, et surtout, il y a beaucoup moins besoin d'avoir de la vitesse verticale. Comme le montre notre trajectoire, là, on est déjà à 4000 mètres. Hein. Et en théorie, vous pouvez aller, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de risque de perdre. Je rentre le train d'atterrissage. Voilà. On va peut-être le faire à la fin sur les fonds de carburant, mais on va y arriver. Donc voilà, le but c'est de partir carrément à 45 presque dès le départ. Vous voyez qu'on voit toujours notre petit drapeau. On a même ses coordonnées. Une bonne orbite lunaire, c'est 30 000 ou 40 000. Voilà, 30 000 mètres. Il ne doit pas y avoir beaucoup de delta V pour faire une orbite lunaire. C'est 292. Ouais, ça devrait être jouable. Je pense qu'on peut y arriver. Ça va être un peu serré pour retourner sur carbine, mais avec nos chances et en planifiant bien la trajectoire, on peut y arriver. Voilà. Donc là, on est en train de partir. Et on a toujours notre drapeau qui est là. Donc vous voyez déjà qu'on est à 16 km. Non, ce que je voulais faire, moi, c'était rentrer les échelles. Ça sert à rien, mais c'est joli. Voilà, donc je vais un peu avancer en time warp. 2, 1, z, toc, c'est pas mal. En fait, ouais, 30 000, c'est un peu bas. Visez plutôt 50 000 pour une bonne orbite lunaire. Voilà, là on est à 25 000 et 36 000. Ça ira très bien. Donc pour rentrer sur carbine, et ben là on est en orbite à 90. Donc a priori, si j'augmente un peu, et ben je sors de carbine. Donc c'est pas ça. Alors, je sais plus. La moon, je sais plus. Là voilà, là on sort du cercle de carbine et on se retrouve carrément dans l'espace intersidéral. J'ai pas envie d'aller dans le soleil. Enfin, pas encore. Donc, alors. Il doit y avoir un endroit. Voilà, donc là c'est très mauvais, mais je pense que c'est à l'angle en fait. Voilà. Tu vois? 2000, 3000. Voilà, donc là on est à 3000. Tu vas voir un peu. Non, c'est pas ça.
3000, 2000, 1000. 1800, est-ce que ça marche ça? Ouais, vous voyez. Bah, l'avantage, voilà, c'est ça, c'est qu'on peut vraiment le déplacer sur la trajectoire. On peut déplacer à peu près tous les critères. Et merde, 500 000. On n'est pas loin, hein. Ah bah voilà, ça y est. Est-ce qu'on peut un peu baisser? Parce que 332... Voilà. Le but, c'est d'arriver dans l'atmosphère. Donc si on est à 29 000, on est déjà pas mal. Ouais, je crois qu'on va faire une entrée directe. Hein. Voilà. Donc, on a notre maneuver note qui est exactement le même que précédemment. C'est pas grave. Et ben, on va warper et puis on va arriver jusqu'à Kerbin. En espérant qu'on ait assez de fuel, mais je pense qu'on va être assez large. Dans l'instant, on pouvait admirer une magnifique orbite de la Moon. Voilà. Torse, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Eh ben, en fait, oui, c'est bien en dessous, puisque nous revoilà notre drapeau. Bon, ben, je saurai maintenant, voilà, vous devez être à peu près à angle droit. Bon, je peux encore un peu warper. Voilà. Ouais, en fait, c'est 22, donc c'est un peu loin. Voilà, si on regarde notre trajectoire, en effet, il ne me mentait pas. 400, 300, 200, 100... Et voilà. Et ben, c'est-il pas beau, ça ? Jeb, tu vas pouvoir rentrer à la maison. T'es heureux, hein? Allez, bah on va faire ça tout de suite. On va warper. Voilà, donc là on commence à s'éloigner de la Moon. Oui, il y a des vitesses de warp selon l'altitude où vous êtes. C'est normal, c'est pour pas que vous preniez Kerbin à warp 10 000 et puis que vous vous retrouviez crashé avant d'avoir eu le temps de réagir, quoi. 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. Voilà. Donc là, on est à 141 000. On va sûrement finir notre... Ah ! Ouais, on va sûrement finir dans la flotte, hein, quand même. Bah alors, ce qu'on fait, là, pour finir... Et parce que si on essaye d'atterrir... On pourrait essayer d'atterrir avec le parachute. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de découpler. Vous pouvez absolument faire ça. Et c'est tout à fait acceptable. Mais on va pas tenter le diable à essayer d'atterrir, surtout que bah, le module est pourri et Jeb a envie de le faire payer aux ingénieurs, donc il le lâche. Et voilà, on n'a plus que notre dernier module. Là je réalise que ça fait bientôt une heure que je fais cette vidéo. J'ai oublié de déclencher le parachute, mais ça va attendre un peu. Alors là vous voyez qu'on va arriver très vite. Et ça va me permettre enfin d'afficher le dernier petit effet bien sympatoche. Voilà. Donc là, on commence à rentrer dans l'atmosphère. Donc là, elle est très fine, l'atmosphère. Pour l'instant, il n'y a rien. Et c'est pas le moment de sortir Jeb. Donc là, on va à une vitesse assez conséquente. Mais vous voyez déjà qu'il y a des frottements de l'atmosphère puisque notre trajectoire se réduit. Voilà. Et voilà, ça y est. Il y a les flammes de réentrée. Alors actuellement, ça fait pas encore la chaleur. Mais ça n'empêche pas que c'est très spectaculaire. Puis en plus, on voit la Moon en fond. C'est superbe. Voilà. Donc là, on a une énorme vitesse. Et j'ai oublié de lâcher le parachute. Donc je vais faire espace pour le lâcher. Oui, le parachute est en flammes. Tout va bien. Et voilà, notre vitesse est en train de chuter drastiquement. Ah bah si, on va faire le sol quand même. Ah, c'est bien, comme ça il pourra sortir devant sa capsule. Je désactive le SAS, parce que dans ces cas-là, c'est mieux de désactiver le SAS. De toute façon, votre capsule va s'orienter selon le parachute.
Donc là, on est gentiment en train de ralentir. On a 13 000 mètres, 12 000. On est très en longueur. Bah voilà, vous voyez, ça, c'est toute l'atmosphère qui réduit votre vitesse. C'est une technique, ça peut aussi servir à une technique sur les autres planètes, mais ça, on y reviendra quand, si je vous montre les autres planètes. Voilà. Et là, on est déjà encore à 260 mètres par seconde, hein, donc ça va toujours très très vite. Il y a aussi un effet un peu, comment ça s'appelle? Le max speed, c'est en fait c'est juste le couloir, l'espèce de bulle de condensation d'air qui se compresse quand on fait ça dans une atmosphère assez douce, vous voyez, dans le bleu clair. Dans le bleu foncé, c'est directement le feu. Et voilà. Bon, lui, je vais quand même le laisser atterrir. Ah oui, alors si jamais, quand vous êtes en atmosphère, vous avez ce qui s'appelle le physical time warp, donc là, tout va un peu plus vite. Le problème, c'est que la physique. Ça, des fois ça merde. Alors, par exemple, si vous allez en Physical Time Warp à 4, vous allez vous retrouver avec vos parachutes qui se disloquent parce que les forces seront multipliées par 4. Par 4. Donc le mieux, c'est si vous faites l'atterrissage, vous sortez, vous allez prendre un verre d'eau. De toute façon, le vaisseau, il descend. Et voilà. Si jamais, ouais, il s'étend à 500 mètres du sol, bah, d'ailleurs on peut le voir tout de suite, je vous profite pour vous montrer ça. Voilà. Le petit radar altitude, donc là on est à 400 mètres du sol, 300 mètres du sol. Est-ce qu'on voit par la fenêtre? Ouais, on voit le sol. J'avais bientôt arrivé. Tu dois être content. Non, je crois qu'il préfère quand il y a des explosions ou du fioul. Et voilà notre module qui descend doucettement sur son petit parachute. Les parachutes sont pas très réalistes parce que bon, ils n'ont pas encore réfléchi à comment ils allaient faire les vêtements. Les drapeaux, c'est un petit peu un début. Voilà, bon, bah là, on est bientôt au sol. Il est midi là. Vu l'ombre. Et nous y voilà. Eh bien, il va sortir en EVA. Alors oui, c'est con, mais ils ont encore la combinaison sur carbine. Pardon, excusez-moi. Voilà. Et voilà, il est sur carbine. Il peut remettre un deuxième drapeau. Et il va le faire d'ailleurs. Parce que, quitte à mettre un drapeau, autant en mettre deux. Et une petite plaque. De retour sur carbine. I'm back, baby. Voilà. Et oui, majuscule c'est pour sprinter, mais sur la Lune ça marche pas puisque bah, gravité trop faible. Voilà, hop. Et ils nagent aussi, hein, donc si vous faites un amérissage, il n'y a pas de souci, ils peuvent nager jusqu'à la plage. Et bah voilà, sur cette petite image de fin, je pense que c'est la fin de ce premier tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Et bah n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je risque d'en faire d'autres sur le docking ou sur les autres planètes.